Communiqué numéro 056. Par décret du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le bureau du dialogue national inclusif se compose ainsi qu'il suit. Président, Monseigneur Ibaba Jean-Patrick, archevêque métropolitain de Libreville. Premier vice-président, révérend Alogo Engo Louis Sylvain, président de l'Église évangélique du Gabon. Deuxième vice-président, révérend Ngwambina Beni, représentant les églises charismatiques et de réveil. Troisième vice-président, Monsieur Kambogo Abdou Razak Guy, représentant de la foi musulmane. Quatrième vice-président, Madame Benga Bengon, représentant des traditionalistes. Cinquième vice-président, général de division, Onkanoa Brigitte, représentant du CTRI. Sixième vice-président, Monsieur Nyundu Souza Darlis, représentant des jeunes. Septième vice-président, Madame Lekogo Justine Judith, représentant du COPIL citoyen, conseiller du président du dialogue national inclusif, Monseigneur Madega Leboakéan Mathieu, évêque de Mouila, conseiller adjoint 1 du président du dialogue national inclusif, Monseigneur Ndiengui Manganza Séverin, évêque de Makoku, conseiller adjoint 2 du président du dialogue national inclusif, Minsa Justine, porte-parole du dialogue national inclusif, Monseigneur Asekomve Jean-Bernard, rapporteur général, Madame Minkwe Muriel, épouse Minsa, ministre de la Réforme des Institutions, rapporteur adjoint 1, Monsieur Ndomba Jean-Faustin, rapporteur adjoint 2, Monsieur Obian Beka Jean-François, rapporteur adjoint 3, Madame Ndao Zitombo Ornelia, rapporteur adjoint 4, général de corps d'armée Pongi Dieudonné, représentant du CTRI, rapporteur adjoint 5, Monsieur Moussavou Boussougou Yves Sylvain, représentant le secrétariat général de la présidence de la République. Membre, Monseigneur Johnny Ephrem, évêque de Franceville, révérend Mbadinga Francis Michel, Sœur Oyembo Sidoni, Monsieur Minang Eddy, Monsieur Essono Mezui Hervé, Révérend Tibinda Jean-Marie, Monsieur Engono Ekoga Emery François, Monsieur Ntutum Aï Jean-Gaspard, Monsieur Yama Jean-Rémy, Madame Rebuka
Colette, peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, fait à Makoku le 21 mars 2024. Je vous remercie.